Mon voisin. Non. Mon voisin. Mon voisin. Mon voisin de Milena Agus. Chapitre 1. Mon voisin de Milena Agus. Le voisin, elle l'avait rencontré un jour, alors qu'avec son petit, elle rentrait de promenade. Il était très beau. Et ensuite, toujours à la même heure, elle arrêtait la poussette et le fixait sans retenue. Mais lui ne les voyait pas, même quand la rue était vide. Il habitait la maison de l'autre côté du mur. Et maintenant, quand elle emmenait son fils faire un tour, elle passait toujours par là. Ensuite, il montait par les ruelles en pente, encaissées dans les murs et débouchait dans la lumière aveuglante de l'esplanade, une avenue d'où on aperçoit tout Cagliari. Ils s'installaient sous un palmier, en surplomb de leur petit immeuble décrépit, qui était le plus moche, mais le plus beau aussi, parce qu'il y avait le jardin de la maison d'en face, caché à la rue par le mur, avec sa végétation enchevêtrée, qui formait un tapis sous son balcon à elle, au premier étage, la tenant comme suspendue en l'air quand elle s'y penchait. La maison du voisin restait cachée même de là haut, de l'esplanade les frondaisons des arbres recouvraient tout et là où elle s'éclaircissait par instants émergeait le blanc, le rose, le jaune des arbres fruitiers. Du mur descendait, s'ouvrant un chemin entre les tessons de bouteilles, les branches de lierre et les grappes violettes des glycines. Elle ne se lassait pas de rester là, émerveillée, espérant toujours entendre la voix de ce voisin si beau. Mais seuls les oiseaux chantaient. Son petit restait bien sage dans la poussette et lui souriait. De ce sourire où brillaient encore les petites pattes, les petites pattes étoilées de la bouillie. Il avait presque deux ans, n'émettait aucun son et ne tenait pas debout tout seul. Mais les médecins disaient qu'il était en bonne santé et qu'il n'y avait donc rien à soigner. Alors, il lui venait l'envie de mourir. L'enfant, une de ses sœurs, le prendrait. Au moins, il grandirait dans une famille normale. Elle avait, elle avait raison de boire l'eau jamais vidangée de la citerne en espérant le typhus, et de manger les conserves périmées en se souhaitant le botulisme, et de toujours marcher du côté de la route où les autos passaient et pouvaient l'écraser. Mais c'était le printemps maintenant. Et au printemps, on regarde dehors une fois les vitres nettoyées. De l'autre côté du mur, de gros morceaux de salpêtre tombaient de son balcon décrépit sur les frondaisons du jardin. Elle se leva, résolue. Allô, répondit une voix d'homme. Je ne sais pas si vous me connaissez. Je suis votre voisine. J'ai trouvé votre numéro dans l'annuaire. J'emmène mon fils se promener tous les après-midi et nous passons le long du mur et nous vous voyons, mais pas vous. Mon balcon s'écroule un peu et il donne juste sur votre jardin. J'ai pensé qu'il fallait vous avertir. Ce n'est pas très grave. Là-bas au fond, je n'y vais jamais, mais mon fils doit arriver quand les écoles seront en vacances. C'est quand les vacances des écoles En juin. Toutes les écoles sont en vacances et les crèches aussi. Bon, je viens dehors, vous me montrerez. Elle s'arrangea un peu et s'avança sur le balcon le petit dans les bras. Il était déjà là, à cheval sur le mur à un endroit où il avait enlevé les tessons de bouteille le petit lui fit la fête et voulut aller dans ses bras et le voisin le prit mais ses couches étaient sales et il le rendit aussitôt à sa mère s'excusant de ne pouvoir lui serrer la main car il s'était sali en prenant le bébé c'est ma faute excusez-moi j'aurais dû le changer fais coucou à notre voisin dit-elle en agitant la main du petit coucou monsieur le voisin puis un jour qu'au balcon elle tendait le cou vers le jardin à présent d'un vert brillant sous le soleil elle entendit une voix d'enfant qui l'appelait et aperçut un petit garçon qui finissait d'escalader le mur. « Madame, madame, tu connais des enfants, madame ?»« Il y en a sûrement dans le coin. »« Alors tu m'en amènes un ?» Il était tout en haut maintenant et appuyait avec force son bras tout égratigné à l'endroit sans tesson de bouteille. Mais en ce moment, il déjeune. « Et toi, tu déjeunes pas parce que t'en as pas ?» Si, je vais te le montrer. Elle retourna à l'intérieur et revint aussitôt avec son fils dans les bras, qui se pencha avec enthousiasme vers l'inconnu. Mais il est trop petit fit celui-ci avec une moue dégoûtée. Cet après-midi-là, elle entendit cogner aux vitres de la fenêtre. C'était le voisin. Il avait encore enlevé des tessons de bouteilles et s'était installé un peu plus confortablement à cheval sur le mur. Le petit garçon que vous avez vu aujourd'hui, c'est mon fils. L'été, il est avec moi. Il est infernal. Je me demande quelle éducation lui donne son imbécile de mère. Il crache et il balance des coups de pied pour marquer son affection. Il ne mange que des choses frites. Il aime jouer au ballon, mais on ne peut pas dire qu'il sache ce qui l'amuse, c'est de l'envoyer sur les toits. Maintenant qu'il vous a repéré, il va le lancer sans arrêt chez vous. Et que peut-on faire demanda-t-elle. Je ne sais pas. On pourrait téléphoner à quelqu'un et lui dire "Excusez-nous, il est trois heures de l'après-midi. Voilà la situation. Que peut-on faire Le lendemain, elle acheta de nouvelles pinces à linge et jeta les anciennes toutes rouillées dont elle se servait pour étendre ses dessous après s'être fait des entailles sur la peau dans l'espoir d'attraper le tétanos. Elle avait l'intention de consacrer son énergie à une bien meilleure idée de suicide, quelque chose que tout le monde prendrait pour un accident. La barre qui tenait le rideau de la douche était tombée. Elle monterait sur le bord de la baignoire avec les outils et la nouvelle barre. Elle ouvrirait le robinet et remplirait la baignoire d'eau en y laissant tremper le rideau. Puis avec les outils et toujours en laissant le robinet ouvert, elle déraperait dans la baignoire et se noirait. Personne dans sa famille ne pourrait l'accuser d'avoir voulu échapper aux difficultés de la vie en laissant un orphelin et le petit, une de ses sœurs avec une famille normale, le prendrait. Mais pour le moment, puisque le voisin et son fils surgissaient de l'épaisseur du feuillage, et qu'au moindre bruissement elle courait au balcon, et que son petit muet aussi s'exprimait avec force gestes et sourires quand il les voyait, le suicide pouvait être reporté, et peut-être même par la suite tranquillement perfectionné. En attendant, elle avait mis des pots sur son balcon, et tentait d'y jeter des graines de volubilis qui était sa fleur préférée à cause des clochettes bleues et elle voulait voir si quelque chose allait germer la nuit elle traînait là à regarder la lune qui resplendissait sur les arbres du jardin et à écouter la mer qui même de loin faisait entendre sa présence elle ne se décidait pas à aller se coucher et ne voulait plus comme avant que les journées finissent le plus vite possible un jour le fils du voisin elle le retrouva dans sa cuisine pendant qu'elle préparait la bouillie du petit. Il avait escaladé le mur et il était entré. Alors, pour être gentil et lui offrir quelque chose, elle lui fit un œuf à la coque. Pense à la, magie, pense à la magie de tenir un œuf entre tes mains et de lui envoyer son chapeau, disait-elle en le regardant, les bras croisés sur la table, le menton appuyé sur sa main. Pourquoi tu ne m'as pas fait un œuf frit? il n'y a aucune magie dans un œuf frit seulement dans un œuf à la coque le voisin laissait son fils escalader le mur tous les matins et elle elle laissait la fenêtre ouverte il apparaissait dans la maison à l'improviste et se pelotonnait dans un coin comme un petit animal sauvage souvent c'était le tout petit qui le voyait le premier et l'accueillait avec de grands gestes joyeux et de larges sourires à présent la mère et le fils étaient attirés par le mur, et leurs regards se concentraient toujours là, dans l'attente que l'étrange voisin jaillisse tout à coup au beau milieu du feuillage. Le soir, tard, le père appelait l'enfant du jardin et la remerciait de son hospitalité en faisant des petits bonjours au bébé qui levait les bras et les tendait vers lui. On ira à la mer demain lui demandait le petit garçon. ne commence pas à être pot de colle, le sermonnait son père. Celui-là, si on le laisse faire, il devient tout de suite pot de colle. Je les emmènerai bien à la mer, les enfants, dans un joli coin du côté de Villa Simus ou du côté de Chia, mais je ne conduis pas. Et puis un jour, elle pensa qu'il pouvait y aller en car. Elle n'y avait jamais pensé avant qu'on pouvait aussi y aller en car. Si le ciel était limpide, il descendait le prendre sur place, sur la place Matteotti. Et il y avait là des gens qui venaient du monde entier. Sénégalais, pakistanais, indiens, nord-africains, chinois, eux seuls étaient blancs et parlaient italien. Elle se demandait s'ils étaient tristes, tous ces pauvres gens, et s'ils voulaient mourir, parce que dans leur pays, ils avaient peut-être fait des études et ils venaient chez nous pour essayer de vendre quelque chose. Et qui sait, quelle nostalgie de chez eux, le sentiment d'être étranger et toutes ces humiliations. Pourtant, ils avaient l'air plus heureux qu'elle, et même, il riait de toutes les bêtises du fils du voisin qui ne se tenait pas tranquille un instant et il faisait des câlineries au petit, qui tendait les mains vers eux, et quelqu'un le prenait dans ses bras et lui chantait une chanson. Le petit mangeait des graissins et observait muet les plages bleues qui filaient. Il y en avait une où il descendait toujours parce que la mer y était si limpide et d'un bleu si clair, qu'elle donnait envie de plonger depuis le quart et de voler droit dans l'eau tout habillé. C'était plus ou moins ce que faisait le fils du voisin. Il partait en courant sur les sentiers de sable au milieu du maquis et se jetait à l'eau tout habillé. Et le petit riait beaucoup. Mon vieux petit bonhomme, lui disait sa maman, mon petit muet si sage qui rit de ce fou-là. Pour reprendre le quart, il remontait de la plage en avance parce qu'elle voulait monter, montrer les plantes aux enfants. Mais le fils du voisin gambadait sur les sentiers à travers le maquis et se moquait bien de la végétation. Alors, elle s'adressait à son petit. Ça, c'est une schiste, une immortelle, un pistachier, du romarin, un chardon en fleurs, un mon petit savant silencieux. Fin du chapitre 1